Salut les loulous, et nous voilà repartis pour une aventure dans Rogue Legacy. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient pas le tunnel vision, mais enfin des gens, un genre, mais du coup ils sont pas assez nombreux. Alors le tunnel vision c'était qui? Ah c'était l'Okage. Ah oui, du coup, y a une personne qui a voté pour Lady Fay, bon 4, hein, de toute façon il y avait peu de choses de se présenter sur le numéro. Mais par contre, du coup, c'est Lady Charlotte qui l'a emporté. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, on va pouvoir aller chercher le boss de fin. Pas le boss de fin. Le boss du truc. Alors, je vais booster ma vie, du coup, parce que je voulais booster mes dégâts. Parce que ce que j'aime bien avec l'Okage, c'est que ça fait plein de dégâts, et du coup je me dis j'essaierai bien de transformer toutes les classes en Hokage, mais comme j'ai déjà un Hokage, je vais améliorer ma vie. Sachant qu'il me reste deux choses à prendre aussi. Je vais les prendre parce qu'ils sont pas chers, et je me demande si ça va pas me débloquer des trucs. Si. Non, ça je le prendrai pas. En fait ça permet en pressant select, du coup non back, ce qu'ils appellent le bouton back, en pressant back de changer les gammes en fait, tu vois. Utiliser le pouvoir de la science pour faire une nouvelle portée de bébé. Juste, ne posez pas de questions. Voilà, donc je le ferai pas parce que du coup ce serait très chiant pour les votes. Et on va prendre ça aussi, mais je pense que ça ne va rien débloquer. Non, voilà. Donc là j'ai débloqué tout l'arbre de talent maintenant. Voilà. Et donc, ah quoi qu'à moins que ça débloque peut-être quelque chose. Faudrait que je vérifie. Mais je crois que ça débloque rien, donc pour l'instant on va laisser tomber. Voilà. Hop. Et on va augmenter le... J'avais pas une rune à acheter? Ah, 66 dégâts, la lumière, ça. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ah là, une deuxième rune de drain. Et je pense que... Si j'avais un petit truc à acheter à 500. Si ma mémoire est bonne. C'est ça. Voilà, on va remettre cela, mais... Parce que voilà, perdre 30 de vie, c'est un peu élevé. D'autant que j'ai acheté de la vie, c'est pas pour qu'il m'en manque. Pourquoi qu'il me dit qu'il y a une autre rune? Ah oui. Et on garde le château. Voilà. On va mettre la rune de double saut. Voilà. Et on va changer mon épée. J'ai pas une... C'est ça. Et on va changer l'épée parce que je m'étais équipé de l'épée à pognon. Ah, ça c'est mieux ça. Et donc, on est reparti. Donc, voilà. Donc j'ai... Bon, vous voyez que même en perdant 67% d'or... Non, mais non! Ah! Bah, même en perdant, pardon, 60% de mon or, j'ai presque autant d'or que normalement, en fait. Ah, faudrait que je booste un peu mes dégâts, en fait, parce que... Merde. Parce que je ne fais pas encore assez de dégâts pour one-shot les monstres. Alors... Merde. Voilà. Et hop, alors. Ah mais... Voilà. Alors... Alors un petit peu d'aide, ce serait cool. La bénédiction d'Hélios. La bénédiction d'Hélios. Alors, il me semble que ça fait que je loot plus d'or sur les ennemis, je crois. Voilà, donc c'est quand même plus simple quand je commence à ce que j'appellerais tout shot les mobs. Ah, il fallait pas avancer.
Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Mais bon. Hop, voilà. Et voilà. Ah, le tableau était hanté, je suis un gros débile. Je fais bien de la merde. A raté. J'aime bien la musique, alors je vais pas la changer. Ah, il faut lui parler. Bah vas-y hein. Ah, je crois que j'en ai laissé plus. Ah, j'ai du mal, hein, mais bon. Alors... Et voilà. Et on notera donc tout l'or, là, qui a le droit de m'énerver, hein. Ok. Donc là, il faut que je monte du coup. Hop, voilà. Hop, voilà. Voilà. Stupidité. Je voulais double saut, je voulais faire un triple saut en fait. Alors. Ah mais putain. Alors, où est-ce qu'il est le... Déjà faire les choses délicatement. Voilà. Et du coup, il y avait un autre œil par là, je crois. Hop, voilà. Pas de problème. Il y a plein de pièces dans ce château. Ça, c'est cool. Merde. Alors, il faut quand même que je trouve le boss. Voilà. Voilà. Pour ceux qui se demandent ce que c'est la petite boule qui est décédée. J'ai l'impression que ça lag un peu mon... Parce que quand je regarde la vidéo, c'est hyper fluide. Et quand je regarde la capture, c'est un peu saccadé. Faudrait peut-être que je change 2-3 trucs. Ouais, peut-être que je change de logiciel de capture sinon. Ah mais. Ok, je viens de me faire violer là juste. Surtout que l'or je m'en fous un peu. C'est pas pour ça que je suis venu. Super. D'accord, ok. Hop. Bon. Petit casque, c'est toujours sympa. Et du coup, on va faire la technique. De merde, voilà. Ici.
C'est toujours bon à prendre. Et on va essayer de récupérer de la vie. Et si possible de se faire le boss. Donc là du coup qu'est-ce qu'on fait? On revient au début du château. Et on explore. Maintenant que j'ai trouvé le boss. Voilà, parce que chaque mec que je tue me file 2 points de mana et 2 points de vie. Sérieux? Ah mais ma vie remonte, ma mana remonte pas. Je suis un gros teubé. Bon, ça va encore. Alors. Alors. Ah, j'aime quand même bien le... Hop là. Bon, bref. Bah je ne peux toujours pas, parce que de toute façon, pour faire ces défis là, il me faut une attaque qui passe à travers les murs, et avec un angle bien précis. Parce que du coup, ça ne marche pas avec les conneries, de toute façon avec la hache que j'avais, c'est celui-là qui est hanté. Voilà. Quoi qu'est la limite en fait Alors, on va descendre en fait, parce que je veux récupérer du mana, il me manque encore 2 centaines. Voilà, cool. C'est quand même vachement plus simple quand on tue les monstres en un coup. Voilà. Et je suis full vie. Ah bah je propose qu'on aille se faire le boss, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Oui, ça vous tente ou ça te dit? Allez, on y va. Je regarde juste s'il n'y a pas... Voilà, une petite salle facile à faire. Voilà. Et au-dessus aussi, des fois qu'il y a un coffre en fait. Moi j'ai bien fait. Au cas où. Et on est parti. Attendez, on peut descendre aussi. Ouais, bon, on fera ça un autre jour. Qu'il n'y avait pas de coffre et je crois que j'ai fini d'explorer la tour en plus. Ah non, il reste une petite porte sur la droite là. Est-ce qu'on y va? Allez, on y va. Comme ça, si jamais je meurs au bas, ouh, vous avez pas passé loin. Si jamais je meurs au boss, j'ai pas de regret. Voilà. Et voilà. Pas de regret. Voilà. Et on va se le faire, je pense. Hein. Et je me dis que j'aurais bien aimé la hache en fait, mais bon.
Oula. Merde. Ah putain. Ouhouhou. Ah putain. Bon bah là j'ai fait de la merde. C'est ma faute. Je me suis pris 2-3 coups que j'aurais jamais dû me prendre, pas réussi à éviter des boules, fait de la merde. Putain. Bon. Donc, nous avons Sir Kenny qui est un Barbarian King. Et donc il y a le Barbarian Shoot, ce qui est assez pratique sur ce boss, donc ce serait peut-être pas trop mal pour se faire. En plus j'ai plein de points de vie, donc en boostant l'attaque c'est gérable. Je pense. En mettant tout dans l'attaque du coup ce coup-ci. Et donc il est gay. C'est un fan des hommes. Et c'est son droit, non? Et il est hyper gonadé. Donc c'est un gay musclé. C'est le type du gay musclé. Hein, c'est très logique. On a tous connu ça. Et il a un sort tout pourri, mais ça pour que ce boss-là à la limite. Nous avons Lady Teresa the Third, qui est une assassine, qui conduit l'électricité très bien. Donc ça, je ne sais toujours pas ce que ça fait. Faudrait que je voyais ça un jour. Et qui a ses MP et ses HP swappés, ce qui est assez pourri du coup. Avec un chakram qui est un sort sympa. Et nous avons une autre assassine qui est également avec un EHC. Mais par contre, tout ce qui est prêt est flou. Ça, c'est bien pourri aussi. Mais avec une hache, c'est un bon sort. Donc voilà. Donc on va tenter de se refaire le boss, hein, en rachetant des dégâts ou des PV, ça devrait le faire. Et on va tenter de se refaire le boss. Parce que de toute façon, il faut bien que je le tue. Voilà. Donc toujours pareil, pour voter dans les commentaires de la vidéo sur la page Facebook de la chaîne. Et je vous retrouve demain. Bonne journée.